enfin les gens qui sont en couple, est-ce que par exemple on a le droit dans la rue de regarder le cul des autres nanas, par exemple? Moi personnellement, je suis pour. Tu montes un parti politique, je te suis. Non, tu vois, avec des idées comme ça. À quoi ça sert les yeux? Avec des idées comme ça? Non, mais tu peux. Tu peux pas parce que c'est très compliqué, les femmes elles ont un sixième sens. Mettons, tu te balades dans la rue, tu vois une nana, tu as 400-500 mètres, une nana un peu bimbo, un peu vulgaire, comme on n'aime pas. Et tu vois, ta nana te fait déjà les gros yeux, elle t'engueule, tu sais. Ouais. C'est pas possible, tu vas t'arrêter de regarder. Surtout que des nanas vulgaires, je sais pas là aussi si t'as fait gaffe, mais les bimbos, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça. Dans les chansons, là, tu vois, la reine des bimbos, c'est Maria Carré. Tu vois, ah ouais, bien sûr, Maria Carré. Les bimbos, les... Oui. Il y en a, elle met tellement de gloss que c'est dangereux pour les avions, par exemple. Tu vois ou pas? Et j'ai des copines, moi je suis très ouvert d'esprit, donc j'ai quelques copines bimbos. Et tout le monde, elles ont inventé un dialecte. Quand tu veux. Alors, elles ont inventé un dialecte. Il a fait télévision et hammam ce soir. Hein, elles peuvent se parler. T'as chaud, chouchou. Je suis à boire un peu, ouais. Un peu ça te faire du bien. Je suis arrivé, merci. Et donc, alors, elles ont un dialecte, les bimbos. Oui, l'autre fois, il y a une copine, elle vient me voir, elle fait. Tu sais, elles font des raccourcis, elles font nanani, 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 entre guillemets. Tu sais, Gucci, prends d'un, tu prends 3000 euros, c'est le feu, tu vois, tu vois ce genre. C'est tellement vrai. Tu sais pas quoi, non, l'autre fois, je suis parti en week-end avec un mec, mais attention, c'est pas mon mec, c'est un copain footballeur, on était avec sa Porsche, on s'est fait flasher sur l'autoroute par le radar, à l'aller et au retour. Ça craint, je t'habillais pareil. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, j'ai une petite fille. Qui sont en discrétion à quel âge? Elle a presque 3 ans. D'accord, elle s'appelle comment? Rose. T'es un bon papa, tu t'occupes bien d'elle? J'occupe beaucoup d'elle. Tu lui fais son petit déjeuner, tu regardes des dessins animés avec elle? Je regarde des dessins animés. Ouais. Et là, je m'inquiète parce que c'est de plus en plus, la société est de plus en plus stressante et compliquée. J'ai l'impression dès l'enfance. C'est-à-dire que, c'est vrai, les dessins animés, ils n'arrêtent plus que poser des questions maintenant. Ils posent que des questions. Nous, quand on était petits, je ne sais pas, enfin moi, il y avait Goldorak, Capitaine Flamme, ils arrivaient, ils fracassaient tout le monde, ils repartaient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là, ils n'arrêtent pas de poser des questions. Dora, tu vois, Dora ou pas? L'exploratrice. Dora, l'exploratrice. C'est que des questions. C'est de quel côté? Avec son sac à dos. Hein. Sac à dos. C'est gagné. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette connasse, celle-là. Avec Babouche, là. Babouche de petit singe. Que des questions. Alors, bon, franchement, je vois ma fille. Enfin, je veux pas trop me la péter par rapport à elle, mais bon, souvent, elle trouve pas, alors que moi, je trouve quasiment à chaque fois. Qu'est-ce que c'est con?